prenons maintenant la route pour Condé-sur-Vègre, dans les Yvelines. Sandrine va s'intéresser à un petit chien qui a beaucoup de caractère. Le chihuahua est le plus petit chien au monde. Originaire du Mexique, ce toutou de poche a un grand succès en France. Alors Christine, nous voici au royaume des chihuahuas chez vous. Oui, tout à fait. Il y en a partout. C'est un vrai bonheur. C'est le paradis des petits chiens. Oui, c'est ça. Mmh. C'est ce que j'allais dire. Alors, des petits chiens qui peuvent peser jusqu'à combien de kilos à peu près? Alors, le chihuahua doit normalement ne pas dépasser les 3 kilos au standard. Ouais, d'accord. Mais alors, il existe des mini chihuahuas? Il existe des mini chihuahuas. On va appeler mini chihuahua le chihuahua qui sera comme en dessous d'un kilo 5, comme Abby par exemple, qui s'endort sur les bras de sa maman. Oui. Abby pèse 1 kilo. Donc c'est autorisé, c'est toléré. C'est toléré, ça n'est pas recherché. Seulement, il y a énormément de gens qui recherchent ce genre de petit chien. Bien sûr, puisque c'est spectaculaire. Vous n'avez pas fait en sorte d'avoir un petit. Ce serait une grosse erreur. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Qui font reproduire les plus petits avec les plus petits, et du coup, ça donne un tout petit. Ça donne un tout petit, mais qui présente des traces de nanisme. C'est une tare. Et malheureusement, là, on va associer la petite taille avec des soucis de santé. Regardez comme il est tout petit. Oh là là, il est minuscule. Oh, là là. Oh, c'est quoi cette tête? Alors c'est vrai qu'on adore ces petits chiens qui ont un petit caractère exceptionnel. Ils sont tout petits, c'est spectaculaire. En revanche, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est bien plus fragile que le chihuahua classique. Ce petit chien doit faire l'objet d'une attention constante. Ah oui. Constante. Bien surveiller qu'il mange bien à tous ses repas, sinon l'organisme ne va pas suffisamment tenir le coup jusqu'au repas d'après. On peut tomber en hypoglycémie. Si ce petit chien court trop vite, il trébuche, il peut facilement se casser une patte. Ah. Alors après, il faut demander au vétérinaire de réparer un petit os qui est gros comme une allumette. Tout petit. Voilà. Sandrine, j'ai plein de petits bébés à la maternité. Ah oui? Il y a toutes les couleurs. Ah bah on y va alors. Ouais. On va les regarder. Je vais t'abandonner, toi. Qu'est-ce qu'elle est câline, elle? Ah oui, bah, elle va s'endormir sur le canapé jusqu'à ce qu'on revienne. Je te laisse là. Mais c'est sympa, ici il fait bien chaud. Hein. Ah, il fait bien chaud dans la maternité, 30 degrés en permanence. Les ils petits sont toutous. Où ils sont là, mais salut. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Eh, hey, bonjour les petits. Regardez comme il est mignon. Oh, il est sympa, j'adore ça. Il a une belle couleur de poil. Il aura une belle fourrure plus tard, je pense. Ouais. Ah ouais. Ouais. Il est bien, bien poilu. Eux, ils sont vraiment mini-mini. Hein. Alors là, on est sur des tout petits sujets qui seront miniatures plus tard. Ah ouais. Ils ont déjà 2 mois et ils pèsent mois, à peine 300 grammes. Ouais. Oh ouais, ouais. Non, mais viens voir, viens. Oui, regardez la différence. Lui, il pose là. Il... Oui. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait? Retournons dans les Yvelines, aux côtés de Sandrine. Christine va lui donner tous les conseils pour avoir un petit chien bien élevé. Ce n'est pas parce que le chihuahua est tout petit qu'il n'a pas besoin d'être éduqué. Au contraire, c'est ce que nous allons voir avec Christine. Alors Christine, la plupart des gens qui ont un chihuahua le prennent comme ça, dans un petit sac. Donc c'est bien pour l'emmener partout. C'est pratique. Mais il faut quand même qu'il gambade un peu. Ben oui, il faut qu'il apprenne sa petite vie de chien. Il va falloir penser à l'éduquer. L'éducation, c'est quoi? Bah déjà, lui apprendre à ne pas sauter en marge du sac. Mais c'est ça, parce que là, heureusement... C'est prévu pour, c'est prévu il y a des pour, petites attaches regardez, de sécurité, il est bien attaché, bien sûr. Là. Hein. Mais ce petit bonhomme, il va falloir lui apprendre à marcher en laisse. Il va falloir lui apprendre à être propre à la maison. On ne va pas tout laisser faire, hein, tu sais ça. Hein ouais. Donc, on va commencer par la marche en laisse. Alors, on va tenter de le faire marcher en laisse. Donc, ce petit sujet ne connaît pas encore la laisse. Ouais. On va faire une petite démonstration, oui, bisous, bien sûr, d'apprentissage de la laisse. Toujours en douceur avec le petit chihuahua. Jamais de réprimande, toujours de la récompense, de la mise en confiance. C'est ce qui sera le plus efficace pour lui apprendre tout ce qu'on veut. Allez, viens. Oui, c'est bien. Viens, voilà. Hop, ah oui, c'est pas trop, en fait, là. Allez. On voit qu'il n'a pas l'habitude. Hein. Ben oui, c'est le début. Voilà. Ah, il va. Oui, il fait de la danse. Jaffa. Non. Viens, Jaffa. Viens. Oui, viens. Oui, voilà. Ben voilà, ça y est. Eh, viens, on va voir Christine. Ah, bah ben, ça y est. On retrouve souvent des chihuahuas mal éduqués.
C'est un petit peu le problème. On a tendance à faire un peu l'amalgame et puis à oublier que c'est un chien, vraiment de la race canine. Hein. On va mal les éduquer. Et puis finalement, à terme, ça va donner des petits chiens qui ne vont pas être très agréables à vivre. Ils peuvent devenir agressifs. Hein. Ah, ils peuvent, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui. Ils peuvent, bien sûr, ils peuvent même attaquer. S'ils sont tout petits, ils sont costauds quand même. Hein. Ils peuvent mordre, ouais. Bien sûr. Ça reste un petit chien, ça. Ah bah oui, c'est un chien. C'est une boule de poils. Hein. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas un jouet non plus. Alors, vous avez une petite chienne ici qui est vraiment très attachée à vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où, celle-là? Ce qui s'est passé, c'est un peu fait ce que je dis et pas ce que je fais. Ah, voilà. Elle a tous les droits. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle a tous les droits. Elle dort avec moi. Elle est, voilà, c'est l'exclusive de la famille. Et du coup, bah, elle aime personne à part moi. Ah, d'accord. On peut la voir? On va la voir. Nous voici dans le manège des chihuahuas. Non, viens là. J'ai le tournis, là, moi. Alors, voici la princesse. Voici Fitness, la princesse. Salut. Voilà. Alors ça... Oh, elle aime pas. Oh, elle aime pas. Ah, mais est-ce que vous avez vu ça? Ah, ben voilà. Non, mais les yeux qu'elle fait. Et tu vas pas me voir, hein. Voilà. Bah, dis donc, on dirait qu'elle est... Elle déteste tout le monde. Voilà. C'est tout le problème. Elle n'aime que maman. Lui, je peux lui faire comme ça. Oh, bah, Jaffaire, il aime bien tout le monde. Voilà, il est sympa. C'est parfait. Mais elle, dès que je m'approche... Voilà. Ah non, mais l'œil qu'elle fait... Ouh, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il faut bien faire attention, il faut bien éduquer son chihuahua. Il faut bien penser à tout ça. Et les chiens en règle générale. Exactement. Ah ouais, effectivement, elle n'aime personne. Ah ouais, ok, je te laisse.